Actuellement, donc, moi-même et mes camarades de Master 1 Management Culturel, nous sommes positionnés en tant que médiateurs sur l'événement, sur des points stratégiques pour vous accompagner au mieux dans votre visite. Également, nous avons la possibilité, bien sûr, en dehors de nos missions en tant que médiateurs, d'assister aux conférences de nos choix. Alors, c'est une grande fierté d'être ici pour les 60 ans du ministère de la Culture. Grâce à notre école, mais également aux compétences qu'on y a acquises. Donc mes camarades et moi-même sommes médiateurs sur place pour accueillir les visiteurs lors du salon Entreprendre dans la culture, donc en partenariat avec le ministère et l'école des Beaux-Arts. Nos étudiants, en faisant cette médiation aux Beaux-Arts, s'inscrivent dans la grande tradition de la médiation culturelle qui est née après la Révolution française. On se rappelle du traité de Condorcet sur l'éducation permanente. Et donc, ils font ce lien, ce pont entre la culture et ses publics. Ce travail de médiation est un exercice protéiforme qui demande à la fois de la pédagogie, le sens du relationnel, le sens de la communication. Et tout ce que nos élèves apprennent à l'EAC sont appliqués aujourd'hui dans ce travail avec le ministère de la Culture.